Et bonjour à tous, c'est Dovakin 117. On se retrouve pour la suite de Madison. Alors, j'ai dû recommencer le début de la cathédrale. J'ai récupéré la bougie jaune et rouge. Et notamment, je me suis un peu renseigné aussi sur Internet pour savoir comment faire. Ce que je trouvais pas là. Donc, du coup, faut retourner là. On n'y voit rien. Ah oui, je vais essayer aussi de moins parler pour que vous puissiez profiter de l'ambiance. Donc là, en fait, on avait photographié ça. Donc du coup, on se retrouve en 87. Si on photographie ça, on est en 2022. Voilà, vous avez compris. Donc nous, on va aller en 1951. C'est parti! Ok, on a la bougie bleue. Bon, je vais essayer de moins parler, mais... Pas dit que j'y arrive. He didn't have the past he did. He wasn't a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him, it haunted him, it haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. He took so many innocent lives, he destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void, emptiness, just nothing looking back at me. He was already. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as Il est là. It is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Another candle. On n'avait pas déjà la verte? Ah non, jaune, rouge,
Bleu, vert. Ok. Sa mère! My hair. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Pouah. Bleu. The color of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. Jaune. Bonjour. Oui. Tu as un trophée, il est là. Ah d'accord. Du coup, on revient là. J'ai toujours les bougies au moins. Ouais, c'est bon. J'ai pas compris pourquoi ça nous a refait revenir là. Alors. Chemin bleu. Gauche, droite, droite. Ça, c'est Jésus, c'est ça? Donc Jésus, c'est rouge, forcément. Ça, c'est Marie. T'as quelle couleur, elle, déjà? Bleu. The color of Mary's tears.
Ah! Ah, d'accord. Donc là, je peux plus la prendre, ok. Ah, faut juste en poser une. Ah, mais j'ai compris, ça y est. C'est moins compliqué que ce qu'on croit. Je pensais qu'il fallait poser toutes les bougies, mais non. Je me suis paumé là. Merde. Ah, c'est bon. Autre chemin, s'il vous plaît. Le rouge. Alors, le rouge, c'est gauche, droite, gauche, gauche, droite. Je crois que c'est celui d'après plutôt. Gauche. Ah non. Gauche, gauche. Alors, bah c'est Jésus, non? Yes. Ça, c'est bon. C'est là. On s'en sort bien pour l'instant. Alors, sont les autres chemins? Le vert est facile, alors c'est droite, droite. Ouais, c'est tout le temps à droite, quoi. Non, ça c'est le jaune. Alors, je suppose qu'à la fin, ça va faire tomber le cercueil. Alors le vert c'était... Je crois que c'était elle. Ah non. C'est lui alors. Oula. Ah merde alors. Ah. Il n'y a pas le tableau qui correspond. Je fais comment? Attends. Y a pas un autre chemin? Il y a peut-être une salle secrète, non? Ah, normalement, c'est celui-là.
peux pas changer les tableaux? C'est bizarre ça. Ça c'est bien la salle verte. Bon, on va faire la jaune alors. Donc le jaune. Je retourne là-bas pour voir le chemin. Ah, est-ce que le vert c'est celui-là? Gauche, droite. Ouais. On verra ce que ça fait après, mais... Ah bah il est là. On va voir si je mets le verre là, ça fait quoi? Non, ça marche pas. Mais il n'y a pas le jaune non plus. Ah ou alors faut changer d'époque. Ah ça doit être ça. Faut changer d'époque. Je vois que ça. Nickel. Dégage. Encore. Putain, à chaque fois je vais devoir revenir. Je sais pas si on peut l'esquiver lui. Ou si c'est scripté.
Ça tanguait, hein. Bon, on a posé toutes les bougies. Du coup, faut qu'on aille à la cloche, c'est ça? Un peu répétitif ce passage. Oh. Une clé. Du confessionnal. Ah mais le confessionnal, c'est là où il y a la dame qui parle, non? Vous entendez? Elle parle plus. Hein. Préparez-vous. Je fais quoi avec ça? What? Ta mère. On va partir. Ah, il saoule lui. Bon, je fais quoi avec ce truc que j'ai ramassé là? Ah! Ok, j'ai compris. J'ai pas compris que c'était la lettre I, moi. Madison Hill, 1944, 1987.
is this? Her skull. Super. Oh. Oula. Putain. Un mur. Bricks. Les briques. Ça pue. Oh. It's sealed off. Je fais quoi là? Bah on est qu'éblou quoi. T'as juste pas regardé en arrière à chaque fois. Ah attends. C'est vrai que j'ai pas essayé ça. Bah non. À moins que ce soit là qu'il faut prendre en photo. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Un truc que j'ai dû rater là. J'essaye, mais bon. Oh! What? Y a plus de porte. Je prends les photos à l'infini, moi. Bonjour! C'était sûr. On me dit pas qu'on est de retour dans la. Ah non, c'est bon. Ça veut dire que j'ai perdu ça ou... Comment ça marche? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Bricks. Ah, vous avez compris quelque chose vous?
Bon, là, ça rush demande réflexion, là, parce que là... Je n'ai rien compris. Je suis en train de tourner en rond, là. Petite pause. Je cherche la soluce, parce que là... D'accord, j'ai compris. En fait, d'être le cas pareil, faut courir de l'autre côté. Quoi? Plus de porte? God. Au secours! The attic. Fallait comprendre, hein, putain. Parce que tu sais jamais s'il faut se laisser attraper ou pas. Alors, retour dans la maison. Du coup, on a un crâne maintenant. Et c'est tout ce qu'on a de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait du crâne? C'est ça le truc. Allez, 2 secondes. Hop. Voilà. Téléphone. Sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. 7 sacrifices, 7 mutilations. 7? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Ok.
dis pas ce que je fais du crâne, hein. Bon, on va tout refouiller. Putain. Oh! C'est quoi? I think there's something else under that plank. Clé. Sous-sol. Comment ça, du sous-sol? Récupérer l'appel. Putain, c'est pas ça. Putain, mais comment on ouvre ça, ça, eux. Sous-sol. C'est où? Faut retourner là-bas, là? Attends, je... je peux prendre qu'un truc, là. Ouais, je vais reposer l'appel, parce que... Je me demande si elle était avant la clé en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Pourquoi
Pourquoi ils veulent qu'on retourne là? Ah, ça a changé. Putain. What the hell is this place? J'y vois rien. Ah, bonjour. C'est quoi ce bordel? On reste dans la lumière. Putain. Oui. Je fais quoi avec vos conneries, moi? Oh, ça, c'est... le pied de biche. Ah, mon ami. Le retour. Ah. Yes! Le pied de biche est au sous. Mais il est débile. Bon, on a la sauvegarde ici, ben on va s'arrêter là. On a le pied de biche, nickel, on a bien avancé. Allez! Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao!